Bonjour. Bonjour à Tortoise, je suis bienvenue de voir qu'il y a Brahmin des gens à notre avenir pour donc pour essayer de causer au pot wallon. Et donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, pardon. Et donc j'aurais besoin d'un volontaire. C'est pas très compliqué, c'est juste pour lire, essayer de lire. Quelqu'un est volontaire? Ah, ok. Ouais, ben viens ici. Ce sera plus simple. Peux te mettre là, bah, je vais venir avec toi. C'est interactif. Donc simplement, je vais faire défiler. Tu vas juste essayer de lire les premières phrases qui passent, ça va? Ouais, par contre, j'ai juste oublié de préciser. Ouais, par contre, le wallon utilise l'alphabet mongol. Je sais pas si ça te pose un problème. Non. Non, c'est une blague, évidemment. Le wallon utilise l'alphabet arménien. Ça arrive? Non, il utilise l'alphabet latin, bien sûr. Tu peux essayer de lire? Primeira leção. Bonjour, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mi petit nom, c'est Evos. Comment vas-tu? Ouais, on va réviser, ça va. Merci, merci Cédric. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet, comme j'ai dit. Donc, je vais lire ce qui est écrit et vous répétez simplement après moi, ça va. Donc, première leçon. Bonjour, comment est-ce qu'on veut l'homme? Ce qui veut dire. Voilà, exactement, très bien. Mi petit nom, c'est Simon, dans mon cas. Evo, comment est-ce qu'on veut l'homme? Mi omlom et jidmer a. Ce qui veut dire jidmer a. Ouais, très bien, j'habite à. Evo, et où est-ce qu'il va de mero? Mi jidmer a Bratislava. Jisobin binoj divzawer escontré jusqu'à Anjou. Dissobin binoj divzawe rescontré. Jusqu'à Anjou? Oui, jusqu'à. Voilà, vous commencez déjà à avoir la prononciation dans les oreilles, c'est très bien. Donc je propose de pratiquer cette leçon avec votre voisin et de vous présenter, simplement. Ok. Vous avez vos premiers mots, ouais. C'est très bien. Je vais juste apporter quelques précisions. Pardon. Donc, comment est-ce qu'on veut l'homme? En wallon, on dit ça.
ça veut dire comment est-ce que vous vous appelez. Mais en wallon, on est un peu plus logique qu'en français parce que quand on y réfléchit, on s'appelle rarement soi-même. On dit je m'appelle, mais c'est rare de s'appeler soi-même. Donc en wallon, on m'appelle. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on vous l'homme? Donc ça ressemble au vous français. Et en wallon, on vous voit tout le temps, en permanence. C'est très très mal poli de tutoyer. Par exemple, le wallon est la langue maternelle de ma grand-mère et elle vous voit ses frères et sœurs, par exemple. Donc, quand on vous voit tout le monde, ça revient à vous voyez personne finalement, puisque le vouvoiement est une marque de politesse ou de hiérarchie, je vais dire. Mais quand on vous voit tout le monde, c'est comme si on tutoyait tout le monde au final. Voilà, donc je voulais rentrer direct dans le vif du sujet, mais je vais quand même me présenter. On me nomme Simon, dit de mère et belgique. Et voilà, donc comme tous les gens ici, bien sûr, on est au Polyglot Gathering, je suis fan de ping-pong. Et alors, depuis 2 ans, je me suis vraiment commencé à m'intéresser au wallon, qui est la langue indigène de ma région. Donc je viens du sud de la Belgique, de la Wallonie. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà entendu parler du wallon avant cette présentation? Waouh! C'est impressionnant, très bien. Voilà, très bien. Et donc, le but de cette présentation, c'est de vous donner évidemment quelques bases de wallon, d'une part, mais c'est aussi, dans un deuxième temps, ce sera aussi de vous donner, d'avoir une réflexion sur l'intérêt de sauver les langues qui sont en danger. Voilà. Et donc, oui, je ne vais pas utiliser l'application Slido pour les questions, parce que je n'ai pas de smartphone moi-même. Oui, je sais, mais j'ai pas le smartphone moi-même, et donc pendant tout le gathering, je me suis senti un peu exclu, si vous voulez. Et donc voilà, mais il y a un truc qui marche pas mal non plus pour poser les questions. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc vous prenez un bic et vous prenez une feuille de papier, vous écrivez, et ça marche, ça marche, ça marche pas mal non plus. Voilà, oui, c'est ça. Et après j'y répondrai après, et comme ça il y aura un échange en plus. Voilà, on va avancer. Donc, qu'est-ce que le wallon? C'est quand même bien de le savoir. Donc, c'est une langue d'oïl. Une langue d'oïl, en fait, c'est le premier. C'est Dante, quand il a voulu classer les langues romanes, il a fait deux groupes. Il a fait les langues d'oïl et les langues d'oc. Et c'était en fait la façon dans les langues, de dire oui. Et c'est vrai qu'en wallon, on dit aïe ou oï pour dire oui. Et donc voilà, c'est parlé en Belgique, dans un tout petit village en France, une petite région en France qui s'appelle la Pointe de Givet. Parfois, les langues n'ont pas les mêmes frontières politiques. Les frontières linguistiques ne sont pas toujours les frontières politiques. Et au Wisconsin, de manière très résiduelle, parce que dans la moitié du 19e siècle, c'était pas la joie en Europe ni en Belgique. Il y avait une épidémie de choléra, il y avait la maladie de la pomme de terre, il y avait d'autres problèmes, et donc ils se sont dit on va partir bien loin. Et donc aujourd'hui on peut encore entendre du wallon au Wisconsin. Alors le dernier recensement officiel fait état de 1 120 000 locuteurs, mais c'est un chiffre qu'on peut discuter parce que il date de 1998. Ça fait 20 ans, et pour des langues en voie de disparition comme le wallon, 20 ans, c'est beaucoup. Et en plus de ça, on peut déjà à la base discuter ce chiffre-là, parce que quand on fait des recensements linguistiques, c'est toujours compliqué de dire qui est locuteur et qui ne l'est pas. Et il y a un problème avec le wallon qui est très commun, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le wallon presque parfaitement, mais qui ont peur de le parler. Et donc, est-ce que ces gens-là sont locuteurs? On ne sait pas trop. Donc, aujourd'hui, les estimations sont plus proches de 300 400 000 locuteurs actifs, on va dire. Et il a le statut de langue régionale endogène de Belgique. Donc, ça veut dire une langue endogène. C'est une langue qui est parlée traditionnellement sur un territoire, par opposition aux langues d'immigration. Voilà. Alors, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle des gens qui parlent wallon? Oui, alors ça dépend du contexte bien sûr, mais en général, c'est quand même par téléphone. Voilà. Petite blague. Non, on les appelle les wallonophones. Les wallonophones. Ok, donc on voit ici une carte de la Wallonie.
Et en rouge, on a la zone linguistique où est parlé le wallon. On voit là au-dessus que ça... Donc si vous voyez la pointe de Givet, on la voit pas très bien en fait, où c'est parlé en France. Et donc il y a quatre grandes variétés du wallon, mais elles sont intercompréhensibles. Donc voilà, et on voit que ça couvre pas toute la Wallonie. On parle Picard ici, à l'ouest, et en dessous on parle Lorrain, Champenois, mais ça c'est la zone linguistique du wallon, comme je viens de le dire. Donc voilà, pour avoir une idée d'une langue, un truc qui est très classique, c'est de lire le premier article ou de regarder le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Donc je vais vous le lire. Article primi, tous les hommes vinnent au monde libre, et seulement pipe au soukenet de la dignité et de l'heureux. Ils sont un fou raison, et ont-ils le conscience posel, sous qu'elles aient dominé à ce qui dure, ronc polote comme des frais. Ça chante, c'est classe quand même, non? Et donc on en vient à notre deuxième leçon, bien sûr. Même principe, d'accord. Qui vole à qui? Bonjour Paul. Bonjour Chantal, qui est nouvelle? Voilà, qui est nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, quoi de neuf, exactement. Et ça fait partie des expressions qui sont restées dans le français de Belgique. Donc même quand on échange en français, qui est nouvelle, c'est quelque chose d'assez courant dans une grande partie de la Wallonie. Voler la tote et voler un de nous? Oh, t'as dit le vide, je. Donc, et vos rien de nous, et vous, rien de nouveau. T'as dit le vide, je, toujours le vieux jeu. Donc, ça veut dire rien de nouveau. Toujours la même chose, exactement. Dis m'excuse, ma djinana brahmin d'otin aujourd'hui, jusqu'à Benrad. Voilà, donc je m'excuse, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. À très vite. Oui, jusqu'à plus tôt. Très bien, super. Donc même principe, maintenant vous pouvez pratiquer avec votre voisin. Ok. On peut continuer. J'ai entendu wallon partout, c'est impressionnant. Donc on va continuer, on va apprendre à compter, bien sûr. C'est quand même la moindre des choses. Donc on répète, vous répétez après moi. Donc onk, deux, trois. 4, 5, chiche, 7, 8, nous, 10. Onk, 2, 3, 4, 5, chiche, 7, 8, nous, 10. Onk, 2, 3, 4, 5, chiche, 7, 8, nous, 10.
C'est magnifique, c'est magnifique. voilà, donc je vais parler un peu du wallon du point de vue linguistique maintenant. Donc c'est une langue qui est très intéressante, comme je l'ai mis dans la description pour ceux qui l'ont lu. Et donc le lexique est principalement issu de mots latins, de racines latines, mais il y a aussi des mots qui viennent directement du latin et qui ne sont pas restés dans les langues comme le français, qui sont limitrophes, je dirais. On a despierté, par exemple, qui veut dire se réveiller ou réveiller. On a despertar en espagnol, desteptare en roumain, mood, ça veut dire traire. On a mungere en italien et mulge. Il y a des gens qui parlent roumain. Roumain, on prononce comment? Mulge. Mulge, merci. Qui veut dire traire. Et alors, un mot qui est très intéressant, aracrin, ça veut dire une toile d'araignée, et ça vient directement du latin, araneae crinis, comme vous voyez. Et il y a beaucoup d'emprunts germaniques aussi dans le lexique. On a par exemple la dringel, ça vient de drinkheld, c'est un pourboire, et c'est un des mots qu'on utilise aussi en français de Belgique, la dringel. Quand on va chez ses grands-parents pour la nouvelle année, ils nous donnent la dringel. Aussi décrol, ça veut dire des boucles dans les cheveux, même chose, on l'utilise en français de Belgique, et la décrol. Et on a beurlé, qui veut dire crier. Et alors on a aussi des formations qui sont très intéressantes, par exemple le canifeston, ça veut dire soit quelqu'un qui baragouine, soit un Hollandais ou un Flamand, et ça vient, comme vous l'avez vu, de Ik kan niet verstaan, et donc je trouve ça très intéressant. Au niveau de la syntaxe, il y a aussi des choses qui sont plutôt germaniques, donc l'adjectif qualificatif est plus souvent devant le nom. On foire homme, ça veut dire un homme fort. Ouais, donc c'est pas très clair, donc c'est un égal barré, c'est pour dire que l'adjectif est inversé, c'est pas pour dire que ça veut pas dire ça, parce que ça veut dire ça. Et alors, une blanque moejon, une maison blanche. Alors, on a des emprunts syntaxiques germaniques. Qu'est-ce qui c'est de ça pour une fleur? Donc, la construction wat vol en irlandais, was für en allemand, on l'a en wallon. Et alors, l'ordre des pronoms aussi, dit je m'elle, donc dites-moi le. On peut le dire en français aussi, mais en wallon, on est obligé de le lire comme ça. Et je le sais écrire, donc je le sais écrire, le dire je sais l'écrire. Voilà, donc, qu'est-ce qui c'est de ça pour un livre? Qu'est-ce que c'est comme un livre? Donc, je vais lire, vous devez deviner d'où ça vient. On va s'amuser un peu avec le wallon maintenant. On ne veut ben qu'à vous ce cœur, si quiconque l'it pu, on elle se veuille à vous ses yeux. Petit prince, super. Très bien. Donc, on voit bien qu'avec son cœur, ce qui compte le plus, on ne le voit pas avec les yeux. Et de nouveau, quelque chose qui vient du petit prince, mais vous avez une autre idée du wallon. Rien d'off compte d'abord, comme un que justice saisie, à l'piquette des joues, qu'un drôle de petite voix m'a venu dispierter, Tom dit Jean, s'il vous plaît, dessinez mon bédo. Dis quoi? Dessinez mon bédo. Dessinez-moi un mouton, vous avez compris. Pardon? donc voilà. Non, du tout, mais encore aujourd'hui, en fait, tous ceux qui parlent wallon ne sont pas du tout d'accord avec l'écriture. Il y a plusieurs systèmes d'écriture et c'est un débat dans la sphère, des gens qui défendent le wallon. Ouais. Donc, voilà, moi, je défends le wallon chez moi. J'aime beaucoup la langue française, c'est ma langue maternelle. Mais il y a des choses qui, pour moi, sont beaucoup plus belles en wallon et je vais vous montrer lesquelles. Donc, CPB et wallon. Par exemple, comment est-ce qu'on dit la loi du plus fort est toujours la meilleure? En wallon, on dit c'est tout dit le petit qu'on spotch. c'est toujours le petit qu'on écrase. Vous voyez, ça sonne, c'est beaucoup plus chantant, c'est beaucoup plus mélodieux dans l'oreille quand même. Quel bazar ici, on ne sait plus mettre un pied devant l'autre. En wallon, on dit plutôt qu'est bordel, voici, un troy n'y retrouve rien, c'est pour ça. Une truie ne retrouverait pas ses petits, disons. De nouveau, beaucoup plus truculent.
On a son cœur battait la chamade, ici âme sensible s'abstenir, elle a le cuir qui bateau comme le trou de cul d'une alouette. C'est aussi très, très charmant, oui, voilà, très imagé. On en vient à notre troisième leçon, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Bonsoir Paul. Bonsoir Chantal, ça vous va? D'une mi pleine. Je ne me plains pas. Enanès salivati. Comme un chien qui se trompe. Comme un chien qui étrangle, qui s'étrangle, qui étouffe, pardon. Oh Ivo, Kignati. Ah bon, donc qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien que va mal. Donc non, il n'y a rien qui va mal. C'est ce von Rizei. C'était une blague. C'était une blague. Ouais, Paul est très farceur. Ah, tant mieux. Pas très dur. Priolim bonjour, donc. Remets-lui mon bonjour. Ginny Mancrine, li bonne nuit. Bonne nuit et bon retour. Même principe, je vois que vous avez envie de parler wallon à tout va maintenant, donc vous pouvez le pratiquer avec votre voisin. D'accord. Pardon? Ok, très bien, très bien. On va faire un petit récapitulatif. On sait bien qu'il faut revoir, réviser quand on apprend une langue. Donc, comment est-ce qu'on dit comment t'appelles-tu? Personne. Comment est-ce qu'on vlomme? Comment est-ce qu'on vlomme? Et on répond on m'lomme. On m'lomme. Comment on dit j'habite à? Oui, très bien. Donc, Jidmer A, je crois que c'est écrit. En fait, je vous ai présenté tous les dialogues que je vous présente là. Ils viennent d'un cours qui a été fait par l'école de Wallon de Namur, pour ceux qui connaissent. Mais ce n'est pas le Wallon que je parle moi, mais il n'y a aucun problème. Je peux vous le présenter. Mais celui-là était déjà orthographié, etc. Et puis, il n'y a aucun problème. Le but, ce n'est pas de vous apprendre le Wallon de mon petit village de 74 habitants. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on dit quoi de nouveau? Quelle nouvelle? Si vous allez en Wallonie et que vous dites ça à quelqu'un, vous allez être bien reçu. Je vous le promets, parce que c'est très idiomatique. Comment est-ce qu'on dit à bientôt? Jusqu'à, c'est une possibilité. Jusqu'à Onju.
Jusqu'à Ben Rad, oui, c'est ça. Très bien. Et alors les chiffres? Onk, 2, 3, 4, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Très bien, super, super. Voilà, et donc on en arrive à la deuxième partie très vite. C'est quelque chose que je voudrais aussi interactif, donc c'est quelque chose avec lequel j'ai envie de parler avec vous. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait essayer de défendre nos petits langages? Pourquoi on devrait essayer de défendre nos petites langues? De mon point de vue personnel, je trouve que c'est très important, pour moi en tout cas, et en général, mais c'est quelque chose de surtout personnel. Je trouve que c'est très important de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. C'est une phrase qui est très, très, très lourde, qui fait très scolaire. Mais dans un monde où j'ai l'impression que parfois tout va très, très vite et on ne sait pas spécialement parfois, spécialement où on est, d'où on vient, pardon. Parfois, on n'a pas trop de repères, on ne sait pas trop où s'attacher. Et pour moi, sauver cette langue, en tout cas la promouvoir, la pratiquer, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est des langues qui sont en train de mourir et avec elles, il y a toute une culture qui meurt. Comment ? Et voilà, je suis désolé, j'avais un débat un peu plus comment j'avais une explication un peu plus aboutie que ça, mais je me perds un peu dans mes émotions. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Et voilà, quand une langue meurt, c'est je suis désolé, je suis en train de perdre mes moyens complètement. Je suis désolé. Merci. Ça va aller. Donc pour moi, c'est important. Dans un monde, moi, j'ai envie de cultiver la différence, j'ai envie de cultiver la diversité. J'ai vraiment envie que... En fait, quand je voyage, j'essaie de voyager pas mal depuis que j'ai 18 ans, que je peux voyager tout seul. J'irai pas voyager en Pologne si les gens étaient comme moi. J'irai pas voyager n'importe où si les gens étaient comme moi, s'ils parlaient la même langue, s'ils mangeaient la même chose. Et dans un monde quand même qui est en train de se globaliser à fond, il y a clairement des bons aspects à ça. Mais pour moi, avoir gardé un contact avec ces langues-là, savoir d'où on vient, garder une attache, pour moi c'est important. Ça l'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, en gros. Donc voilà, si vous avez des questions et des réactions par rapport à ça, je veux bien les prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Au sujet de l'importance des langues locales, j'aimerais quand même ajouter au niveau de l'Afrique, il m'arrive de vivre au Bénin et c'est évident que si on perd les langues africaines, parce qu'on a le français et l'anglais qui sont des rouleaux compresseurs, c'est évident, qui sont la langue de l'école et de l'administration, mais les gens qui ne parlent que les langues locales, c'est des gens qui connaissent les plantes et leur pouvoir de soigner. Et il y a une linguiste danoise qui s'appelle Tove Skoutnap-Kangas qui a fait beaucoup de travaux sur ça. Si on néglige les langues africaines, on perd tout le savoir sur la capacité de soigner des plantes. Et à l'heure actuelle, ce serait une catastrophe. Donc une langue, c'est pas seulement une espèce de bibelot à mettre sur une cheminée, c'est vraiment un vecteur d'accès à du savoir. Et je donne l'exemple des plantes médicales africaines. Oui, tout à fait, merci. Donc, c'est sûr, une langue est porteur d'une façon d'un savoir, bien sûr, c'est clair. Surtout que des langues africaines, je suppose que celles dont vous parlez, ce n'est pas des langues qui sont très documentées. Ce n'est pas des langues sur lesquelles on a fait beaucoup de travaux dessus au point de vue linguistique, et donc elles ne sont pas spécialement tout le temps documentées. Et donc, c'est clair, pour moi...
Indéniablement, il y a des langues qui naissent, qui vivent et qui meurent, c'est certain, c'est partout pareil. Les humains, c'est la même chose. Les pays, les cultures, les civilisations, c'est la même chose. Mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça va très vite et que ça peut mener à des problèmes, comme vous venez de mentionner, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que, si on se rend en Wallonie, où est-ce qu'il faut aller? Est-ce que c'est facile de trouver des gens pour parler wallon? Donc, si vous prenez une personne au hasard, c'est pas facile. Maintenant, si vous allez dans un petit village et que vous frappez à la porte d'une ferme, il y a énormément de chances que vous allez parler wallon sans aucun problème. La vieille génération, quand même, tout de même, a quand même gardé le wallon, même si elle ne l'a pas transmise à ses enfants. En fait, l'histoire du wallon, c'est que c'est une langue qui est parlée depuis 1000 ans en Wallonie. Et avant la fin de la Première Guerre mondiale, c'était la langue parlée partout en Wallonie. Le français était plutôt l'exception. 100 ans plus tard, aujourd'hui, 2018, la situation est inversée parce que 1918, l'école a été obligatoire et on a dit aux gens de plus parler wallon, de parler français, que c'était la langue de la culture, que c'était une langue, et c'est super important, c'est bien qu'on ait parlé français en Wallonie, bien sûr. Mais ça s'est fait au détriment du wallon et les parents ont dit la même chose. Ils ont dit on arrête de parler wallon à nos enfants parce qu'il faut apprendre le français, il faut, voilà. Et donc voilà. Mais si vous frappez à une ferme en Wallonie, il n'y a aucun problème. Vous pourrez trouver des locuteurs natifs même, oui. Il y a déjà 3 langues officielles en Belgique. Et il y a une partie de Belgique qui parle allemand. Mmh. Il y a ces gens, 2%, je crois, de la population. C'est très... Ils sont 70 000 environ. Ouais, donc, avec les langues minoritaires comme le wallon, qu'est-ce qu'ils font le gouvernement national et régional pour protéger le wallon s'il y a déjà une situation linguistique très compliquée en Belgique, un tout petit pays en Europe? Oui, c'est vrai. C'est un problème belgo-belge, en effet. Oui, c'est vrai. Donc, les langues, pour ce qui est des langues endogènes, donc j'ai dit qu'il y avait un statut. Elles ont le statut de langue endogène, mais en gros, c'est des langues qui ne sont pas du tout soutenues par les pouvoirs publics. Il n'y a pas de fonds qui sont débloqués, presque pas. Il y a des offices, mais ils font pas grand-chose. Et c'est vrai, il y a 3 langues officielles en Belgique. Moi, je trouve que ce serait bien si toute la population en parlait au moins 2. Si les Flamands parlaient français, ce qu'ils font quand même très bien en général, et si les Wallons parlaient flamand, on s'en sortirait peut-être un peu mieux parfois. Et oui, mais des langues pareilles, comme le wallon par exemple, c'est pas un choix, on n'est pas obligé de choisir entre l'une et l'autre. Donc vous avez vu, c'est une langue qui ressemble très fort au français, donc c'est déjà plus facile à acquérir pour des locuteurs du français. Et oui, mais par les pouvoirs publics, c'est une langue qui n'est pas soutenue, presque pas en tout cas. Donc si je ne me trompe pas, le wallon, c'est pas ta langue maternelle? Et du coup, comment tu fais pour apprendre la langue et pour la défendre, vu que c'est une langue, on va dire, assez minoritaire dans un sens? Comment tu fais concrètement au quotidien? Oui, donc c'est pas du tout ma langue maternelle, c'est la langue maternelle de ma grand-mère, c'est même pas la langue maternelle de mes parents. Oui, voilà, donc j'ai toujours entendu un peu du wallon autour de moi quand même, mais j'ai commencé, voilà, 2 ans à vraiment être sensibilisé à la cause du wallon. Je suis rentré dans une association. Et là, j'apprends depuis 2 ans, j'apprends vraiment beaucoup de wallon. Je lis beaucoup, il y a beaucoup de livres, il y a quand même une littérature en wallon. Il y a des choses et je parle avec des gens, j'essaie vraiment de trouver des ressources. Je parle beaucoup plus avec ma grand-mère parce que je vis avec elle, mais je ne m'étais jamais rendu compte, en fait, qu'elle parle wallon, c'est sa langue maternelle. Et voilà, là, je suis en Erasmus en Allemagne, mais quand je rentre, je vais vraiment essayer d'aller frapper aux portes des fermes. Et j'ai vraiment envie, parce que je me rends compte que c'est très important, et j'ai pas juste envie de le défendre comme je fais maintenant, j'ai envie de le parler parfaitement. Mais il reste des gens pour le faire, c'est la chance que le wallon a encore. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des livres ou des cours édités pour apprendre le wallon? Et si c'est pas le cas, donc tu nous as dit qu'il n'y avait pas de standard écrit. Est-ce que toi, tu serais en faveur d'une démarche participative en Belgique pour arriver à mettre cette langue sur le papier afin de
de plus facilement pouvoir la promouvoir et l'enseigner. Oui, donc évidemment, c'est un élément qui est absolument crucial. Bien sûr que je suis en faveur de ça. En fait, donc, la communauté qui défend le wallon a quand même tendance à être vieillissante, il ne faut pas avoir peur des mots. Les jeunes, par exemple, qui la parlent et qui la défendent sont quand même assez rares. Et voilà, donc quand on a parfois il y a des communautés se confrontent un peu, des gens pensent qu'on devrait choisir cette façon d'écrire, d'autres pensent il y a deux façons de voir les choses, il faut garder la richesse de chaque petit village, de la diversité, ou alors il faut normaliser la langue pour qu'elle soit plus forte, pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse utiliser une langue normalisée. Et moi, évidemment, je suis en faveur de ça. La question, pour moi, ne doit même plus se poser. C'est une évidence. Il y a un projet qui a été fait par un wallonneux, comme on appelle, donc quelqu'un qui défend le wallon, qui s'appelle Lucien Mahin, et qui s'appelle le refond du wallon. Donc, c'est une orthographe. Simple, donc c'est une orthographe pas simplifiée, c'est une orthographe commune que tout le monde utilise. Et donc, pour satisfaire... les gens qui veulent garder leur richesse, leur diversité, leur langue à eux, ce qui est normal d'un côté, on peut la prononcer comme on veut. On la prononce d'où on vient, mais on écrit de la même manière. Et pour moi, c'est une bonne solution. Je suis assez d'accord avec ça. Mais il faut normaliser la langue, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il y a des cours pour apprendre le wallon? Pas vraiment, pas concrètement. Mais non, et c'est ça. Donc... Il y a des écoles de wallon, il y en a 4 en Wallonie. Il n'y a pas de cours à proprement parler, comme on pense à un livre à 6000. C'est le gros projet que je suis en train de porter pour le moment. Et j'essaie de rassembler tous les acteurs qui œuvrent en faveur du wallon en Wallonie. Et on est vraiment sur un projet maintenant pour éditer un livre, un peu comme à 6000 pour ceux qui connaissent. On ne va pas les copier parce que voilà, mais avec de l'audio, avec du texte. Et voilà, je suis en train de porter ce projet-là. Je suis en train de porter ce projet-là vraiment. Et donc, ouais, j'ai oublié. Merci Brahma Dekul, ouais, j'aurais dû le mettre avant. Et alors, pour aller plus loin, voilà, donc, c'est la page Facebook que je tiens avec les gens de mon association. Et il y a d'autres liens si vous êtes intéressés. Il y a Wikipédia et en wallon, il y a énormément d'articles. Et Abertech, c'est aussi un site où vous pouvez trouver pas mal de choses. Ouais, j'espère que dans un an, je pourrai répondre qu'il y a une méthode pour apprendre le wallon. Sur Italki, j'espère, oui. Ouais. Tu as dit avant, les langues naissent et meurent comme les hommes. Mais ça, je ne suis pas d'accord. C'est, clairement, les hommes naissent et meurent. Mais une langue, c'est un fait culturel, c'est comme une institution. Elle doit être portée par différentes générations, puis elle devrait rester. Donc, les institutions ou les langues ou les faits culturels devraient durer plus qu'une vie d'homme. Oui, donc je ne parlais pas spécialement à l'échelle humaine. Une langue dure plus longtemps, mais indéniablement, les langues se transforment, elles changent. Et il y a des échanges, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, le but de ma démarche, c'est pas de freiner indéniablement la mort du wallon, pardon. C'est plutôt de la ralentir et de se poser la question pourquoi est-ce que c'est important, est-ce que c'est important ou non, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ok, on m'annonce que c'est terminé. C'était j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment c'était interactif, et donc merci Brahma Dekul.